Shalom, shalom à vous ce matin, dans le précieux nom de Jésus. Soyez encore les bienvenus sur cette plateforme de prière. Nous bénissons le Seigneur pour le huitième mois, le mois d'août. Alléluia. Le mois des grands, le mois des géants. Alléluia. J'ai des personnes dans ma maison qui sont nées au mois d'août. Spécialement mon bien-aimé, mon mari, le père de mes enfants est né un mois d'août. Et j'ai un enfant aussi qui est né en août. Le mois d'août, c'est le mois des grands, le mois des aigles, des géants. Que le nom de l'Éternel soit béni pour ça. Ne sois pas jaloux si tu n'es pas... Moi-même, je ne suis pas né en août. Mais nous apprécions les gens qui sont nés en août. Donc, si tu es né en ce mois, partout où tu es, je te dis, Happy birthday, joyeux anniversaire à toi. Que l'Éternel te bénisse, te comble en ce mois, au nom de Jésus. Que ce mois, qui est ton mois d'anniversaire, soit un nouveau chapitre pour toi, une nouvelle ouverture pour toi dans tous les domaines au nom de Jésus. Alléluia. Jésus, nous te rendons gloire. Alléluia. Jésus, nous bénissons ton nom. Notre paraclet, notre Seigneur, le Dieu des dieux, le Saint des saints, l'alpha et l'oméga, celui qui tient le monde entre ses mains, celui qui a ma vie entre ses mains, celui qui a ma famille, ma nation entre ses mains, celui qui dit oui et amen en même temps, le Dieu des cieux, le Seigneur qui établit sa parole, qui a élevé sa parole au-dessus de son nom, que ton nom soit glorifié, le Dieu qui veille sur ce qu'il dit, ce qu'il déclare, il l'accomplit dans le nom de Jésus. Il n'est pas ce Dieu qui a les yeux qui ne peut pas voir. Il n'est pas ce Dieu qui a une main qui ne peut pas agir. Il n'est pas ce Dieu qui a le pied qui ne peut pas marcher dans la situation de ses enfants. Que la gloire te soit donnée parce que ta main bouge dans nos vies. Tu marches devant nous comme un héros, un vaillant héros. Oui, Seigneur mon Dieu, le capitaine de notre combat dans le nom de Jésus. Jéhovah qui a les yeux qui voit le monde entier. Que ton nom soit glorifié. Glorifié ce matin, le Saint des Saints, le Créateur. Et nous te bénissons. Merci pour la glorieuse nuit que nous venons de passer sous ton contrôle absolu. Tu étais présent dans nos sommeils, tu étais présent dans nos maisons, tu étais présent dans nos différents quartiers. Que la gloire te soit donnée au nom de Jésus. Nous te disons merci ce matin, toi qui nous donnes le souffle de vie. Papa, nous ne méritons rien. C'est ta grâce, ô Dieu. Tu nous donnes le souffle gratuitement. Que ton nom soit béni pour cela. Que quelqu'un dise merci au Seigneur ce matin pour le souffle de vie. Seigneur, merci pour le souffle que tu m'as donné. Je te rends toute la gloire pour cela. Dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni et adoré, Papa, dans les cieux, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons continuer sur notre thème que nous avons commencé pour cette semaine. L'embargo et la stagnation. Ce matin, nous allons partir dans le livre de Ésaïe 49, le verset 25 et le verset 26. Le verset 25, c'est la partie B qui m'intéresse, mais nous allons lire tous les deux versets. Et le verset 25 dit Ésaïe 49. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute la chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Voici les promesses de l'Éternel. Que quiconque a fait un décret sur ta vie, quiconque a décidé que ta vie ne va pas progresser, quiconque a dit qu'il va manger ta chair, la Bible déclare qu'ils mangeront leur propre chair. Donc l'embargo de la sorcellerie organisée, quel que soit le type d'embargo qui a été placé sur ta vie, l'Éternel déclare ce matin qu'il combattra tes ennemis.
Ce matin, nous demandons à la main puissante de Dieu, cette main qui s'est manifestée en Égypte. Pharaon a vu, les magiciens ont vu, les astrologiens ont vu. Ils ont dit, ça, c'est la main de l'Éternel. Ça, c'est les doigts de l'Éternel. Que cette main se manifeste ce matin, dans les coins et dans les recoins, dans les couvents, dans la mer, sur les montagnes, dans les vallées, dans les rivières, dans la forêt, que tout embargo qui a été placé avec la stagnation soit brisé ce matin, détruit ce matin, anéanti au nom de Jésus. Quel que soit le lieu où cette alliance a été tissée, nous envoyons le sang de Jésus détruire ces alliances d'embargo. Et nous déclarons que nous sortons de l'embargo, corps, âme et esprit. Tout embargo placé sur nos âmes, sur nos vies, sur nos corps, au nom de Jésus. Quel que soit le type d'embargo, quel que soit ton nom, ce matin nous te détruisons au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit descende et localise tout trône caché dans les lieux secrets sur lequel il y a un roi maléfique assis qui contrôle l'embargo et la stagnation te concernant. Eh bien-aimé, depuis ton village, depuis ton quartier, depuis la maison où tu habites, tout roi assis sur un trône, roi maléfique, ce matin le roi Jésus vient te détrôner. Nous te détrônons, nous renversons ton fauteuil par la puissance du Saint-Esprit. Dans le village, nous le feu les localise et détruit leur forteresse. Dans les familles, au nom de Jésus, toutes les familles qui sont sous l'influence de l'embargo et de la stagnation. Bien-aimé, ta vie ne marche pas. La vie de ton mari ne marche pas. La vie de tes enfants, c'est l'échec total. Ce matin, je m'adresse à ces familles par la puissance du Saint-Esprit. Quels que soient vos noms de famille, je détruis ce matin l'esprit d'embargo sur vos vies. La stagnation est ôtée par la puissance du Saint-Esprit. La stagnation est ôtée. En cette deuxième phase de l'année, je décrète dans le nom de Jésus que le monde des ténèbres n'aura pas, Seigneur mon Dieu, l'influence sur ta vie. Quelle que soit l'influence dans laquelle tu étais. Oui Seigneur, nous les détruisons ce matin. La Bible dit, il dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ce matin, nous décrétons que nos oppresseurs mangeront leur propre chair. Quiconque a déclaré dans le monde de la sorcellerie que c'est le sang et la chair de mes enfants que vous allez manger, je déclare, selon la parole de Dieu, que vous allez manger votre propre chair et boire votre propre sang au nom de Jésus. Le sang de mon mari ne sera pas sucé. La chair de mon mari ne sera pas mangée. La chair de mon épouse ne sera pas mangée, ni son sang ne sera pas sucé, ni celle de mes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Toute chair, la Bible dit que toute chair saura que l'Éternel est notre sauveur, le sauveur que Dieu nous a donné, un grand sauveur que Dieu nous a donné. Jésus-Christ de Nazareth, viens nous sauver de la main de ceux qui manipulent nos destinées, par, au travers, Seigneur mon Dieu, de l'embargo et de la stagnation. Nous détruisons leur force au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous voulons prier pour les serviteurs de Dieu. Ces grands hommes et ces grandes femmes que tu as placés au devant de ton peuple pour conduire ton peuple. Nous prions ce matin pour une protection divine sur leur vie. Nous prions ce matin pour une visitation divine sur leur vie. Nous prions ce matin que l'ange de l'Éternel les escorte à l'aller comme au retour. Que leur vie soit un modèle. Tout embargo placé sur un ministère. Oui Seigneur, sur la vie d'un serviteur de Dieu qui est en train de l'affecter et infecter sa congrégation. Je me tiens dans le sang de Jésus par le mandat qui m'a été investi, donné par Jésus-Christ de Nazareth. Je brise et je détruis ces embargos sur ces familles et sur la vie de ces hommes de Dieu, sur leur ministère. Je les libère complètement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Regardez le verset 25. Il dit, je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils. Que l'Éternel combat nos ennemis dans le nom de Jésus. Nous allons maintenant prier pour ceux qui sont malades dans les hôpitaux. Nous allons nous rappeler d'eux. Ceux qui sont dans les prisons physiques, qui ont été accusés, qui se retrouvent sans défense,
que la main de Dieu les localise ce matin, qu'il y ait une intervention divine, qu'il y ait un relâchement, Seigneur, de ces personnes, au nom de Dieu, l'injustice, au nom de Jésus. Papa, nous prions pour les malades ce matin, partout où les malades se trouvent, même parmi tes enfants, dans les maisons, ceux qui sont malades, je prie ce matin pour la guérison, miracle dans les maisons. Au nom de Jésus, libère ce matin tes enfants. Toi, maladie, je m'adresse à toi. Quel que soit le nom que tu as, libère le corps des enfants de Dieu. Toi, diabète, libère la vie. Oui, hypertension, je te commande de libérer la vie. Esprit de paralysie, esprit d'impur, esprit impur dans le nom de Jésus. Esprit de douleur dans les ventres, dans les têtes, dans les dents. Ce matin, je te commande par la puissance du Saint-Esprit, dans les jambes, dans les reins. Libère la vie du peuple de Dieu. Papa, que ta main soit tendue sur les hôpitaux ce matin pour toucher les malades, pour les guérir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni parce que les âmes dans nos nations, Seigneur mon Dieu, viendront à toi. Nous les appelons à la grande lumière. Que la lumière de Jésus les attire. Oui, Seigneur, tu as dit que ta lumière va jaillir dans les ténèbres, Seigneur. Que la lumière de Dieu jaillit dans les ténèbres. Que les âmes qui sont dans les prisons soient libérées ce matin au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour ta grâce. Cette journée est sous ton contrôle. Nous le savons et nous le déclarons. Saint-Esprit, tu vas nous guider. Tu vas nous assister. Tu vas nous orienter. Surtout, tu vas nous rendre sensibles à ta voix en cette journée dans le nom de Jésus. Sois béni, adoré et magnifié au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons un grand amen au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Bonne journée à vous dans le nom de Jésus. N'oublie pas de partager cette page. Bien-aimé, un encouragement que je voulais te donner. Arrange-toi que ce mois d'août, que tu parles de Jésus à une personne. Dieu va te bénir en le faisant. Bonne journée à vous au nom de Jésus. Amen.